Awa. Comment vas-tu? Je vais très bien, comme tu peux le voir. Je vais bien, ça va, regarde-moi, ça va? Je peux bien le voir. Merci. Hey, ça fait longtemps. Tu as vraiment raison. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu avais juste disparu comme ça. Est-ce que c'est à cause du scandale qui s'était produit? Ma chère, tout le monde en parlait. C'était partout. C'était même écrit dans des journaux. Hein? Est-ce que c'est à cause de ça que tu avais disparu? C'est vraiment pour ça, ma sœur. J'étais couverte de honte. Ah, c'était vraiment humiliant. Vraiment très humiliant. Ah, s'il te plaît, laisse cette langue. J'ai besoin d'entendre ce que tu dis. Parle en français. Désolée. Oui. Elle m'avait ridiculisée dans toutes les facettes. Elle t'a ridiculisée. Imagine que je n'arrivais pas. Hé. Ah ouais, arrête avec cette langue. J'ai besoin d'entendre ce que désolée, tu dis. Désolée. Tu disais? Je n'arrivais même plus à sortir. Hey! Je n'arrivais plus à me rencontrer avec mes amis. C'est humiliant. Ce que je peux faire, c'est seulement venir ici, acheter certaines choses et rentrer à la maison. Hein? Oh, qu'est-ce que tu dis? Relax, mon ami. Hein? Je sais, c'est vraiment la honte. Je veux dire, après avoir dépensé tout cet argent pour l'envoyer à l'université, c'était où encore? Au Canada. Toutes ces dépenses n'ont servi à rien. C'était juste pour qu'elle puisse revenir avec une grossesse. Ah, c'est pas bien. Écoute, je ressens vraiment de la peine pour toi. Le fait est que je connais très bien le sénateur. Il doit sûrement être fou de rage. Hein? Mon ami, ce sénateur était très en colère. Il doit l'être. Et comme c'est un gars qui a soukali. S'il te plaît, ne me laisse pas rater cette information. Parle en français. Imagine que même le fils, Vao, n'a plus rien à voir avec nous. Hey! Quoi? Tu vois, alors toutes ces choses me dérangent beaucoup. Ah, tu veux la blâmer? Ne la blâme pas. Si tu étais à sa place, tu allais faire pire. C'est pour ça que je dis, moi, Gertrude, Ida ou ça, aucune de mes filles. Je dis bien, aucune de mes filles ne peut se permettre de tomber enceinte dans ma maison. Ha! Pas dans ma maison. C'est impossible. Pas dans ma maison. Ha! Ah, Gertrude, hein? Comment se portent tes filles? Ha! En tout cas, sans façon, parlons plutôt des choses importantes. Merci d'avoir demandé. En tout cas, il était temps qu'on puisse changer de sujet. Tu connais ma fille, n'est-ce pas? Celle qui était lancée et très ravissante. Ma fille, Amba. Elle est la dirigeante de la chorale de l'église. Elle va très bien. Et mon autre fils aussi, la jolie. Hey, tu sais que j'ai des très jolies filles. Celle-là, l'amour. L'amour est en train de la rendre folle. Elle est amoureuse. D'ailleurs, telle que je te parle, elle est fiancée à un pilote. C'est vrai? C'est ça. Oui. Et il ne s'agit pas de n'importe quel pilote. Il n'est pas local. Il est international. Il fait des voyages à l'étranger et il revient. À l'extérieur et il revient. Écoute, au moins je te parle. Leur mariage est pour bientôt. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Je passerai chez toi aujourd'hui dans les après-midi, ok? Je t'apporterai l'invitation de mariage. Écoute, tu dois venir avec ta fille assister à cette fête de mariage. Awa, tel que je te parle, le grand politicien, les top modèles, les hommes riches, les influenceurs de cette ville vont assister à ce mariage. Viens avec elle pour qu'elle fasse des rencontres. On ne sait jamais. Gertrude. Oui, ma belle. La vie est ainsi faite. Moi qui les a quand même. Ne me laisse pas rater cette information. Parle en français. C'est bon, allez, parle. Je t'écoute. Oh, c'est bon, ma belle. Je suis merci. Très heureuse pour toi. Tu as raison, pourquoi pas? Mais tu sais, oui? Je ne suis pas sûre si nous serons capables de faire le mariage. Parce que Aïcha doit aller au Canada pour son accouchement. Canada? Oui. Et au moment où nous parlons, je ne peux pas la permettre de partir toute seule. Alors je dois aller avec elle. Tu continues à dépenser de l'argent pour elle. Tu veux l'envoyer au Canada pour aller accoucher. Ah, peu importe, c'est pas grave. Alors je vous bénis, toi et tes enfants. Cœur, c'est gentil de ta part. Félicitations. Merci. Oh, tu peux le dire encore.
Attends un instant, dis-moi, mais comment tu fais pour surmonter ce scandale qui est si humiliant? C'est vraiment la honte. Mais pourquoi tu n'attends pas à ce que je finisse à faire les achats? Comme ça, je vais t'accompagner jusqu'à la porte histoire de découvrir. Pas de problème, je vais faire. Ok, c'est bon alors, bye bye. Veux-tu que je paye la facture? Non, ne te dérange pas. Et sans ça! Et sans ça! Et sans ça! Elle a des petites fièvres. La malaria? Non, ce n'est pas la raison des effets en question. Elle est enceinte de 4 semaines. Vous dites? Elle est enceinte de 4 semaines. Qui est enceinte de 4 semaines? Je veux dire 4 semaines de grossesse. Qui est enceinte? Ah! Hey! Mais qu'est-ce que je veux dire? Qui est enceinte? Qui est enceinte? Tu es enceinte? Réponds-moi! Tu es enceinte? Idiote! Tu es enceinte? Réponds-moi! Ouvre ta bouche! Réponds-moi! Tu es enceinte? Qui est enceinte? Tu es enceinte? Je veux que tu te calmes, maman. S'il te plaît. Essaie de te calmer, je t'en prie. Arrête de me dire ça, s'il te plaît. Ne me demande pas de me calmer. Hein? Sais-tu combien je serai humiliée? Le sais-tu? La honte, l'humiliation, la disgrâce, le rejet. Ah! Ma propre fille est tombée enceinte avant le mariage. Si c'était son fiancé, pilote, qui l'avait rendue enceinte, je n'allais pas m'inquiéter parce qu'en ce moment, il allait être là pour payer sa dot et partir avec elle. Mais non! Elle a rompu avec lui. Tu as rompu avec l'homme qui allait aider ta vie. Mais te voilà. Tu as accepté de sortir avec un vaurien, un idiot que je ne connais pas. Je ne connais pas ses origines, je ne connais pas ses parents. Je ne sais pas comment tu as fait pour les croiser. D'ailleurs, personne ne les connaît et c'est lui qui t'a rendu enceinte. Tu es enceinte d'un inconnu. Et tu l'as accepté. Hey, Seigneur, je suis finie. Je suis foutue. Cette nouvelle va faire le tour des réseaux sociaux. Les gens vont commencer à raconter des ragots à mon nom. Ils vont commencer à parler de moi. Donc, tu te crois tout permis. Du fait que tu te crois folle, au point de tomber enceinte dans ma maison, tu vas avorter de ces bébés. Maman, non. Tu dois avorter. Maman, c'est contre notre foi chrétienne. S'il te plaît, pas jusque-là. Tu la fermes! Qu'est-ce que ta chrétienté vient faire dans cette affaire? Ok, que ta chrétienté ou ta foi trouve un mari et un père pour ce bébé qui est dans le ventre. Je parle et tu m'interromps avec ta foi chrétienne. Qu'est-ce que ça vient faire dans cette affaire? Est-ce que ta foi chrétienne va trouver un mari pour cette fille qui est tombée enceinte? Si je t'entends encore dire ça, tu dois avorter. Non, maman, je suis désolée. Si je t'entends encore dire un mot. C'est parce que je sais de me retenir, sinon j'allais sauter sur toi et te manger cru. Tu es allé t'offrir à je ne sais qui. Cette fille est enceinte. Ah, tu as permis à un idiot, un vaurien, de te rendre enceinte. Je te donne aujourd'hui une date d'échéance pour que tu ailles chercher cet homme et me le ramener ici à la maison. Si je ne le vois pas. Hey! Tu m'as fini. Écoute, je m'étais fait une promesse. Il y a de cela très longtemps qu'aucune de mes filles, j'ai dit bien aucune de mes filles, ne tombera enceinte dans ma maison. Jéhovah, oh Jéhovah, cette fille m'a tué. Tu es tombée enceinte dans ma maison. Tu dois trouver un père pour ces bébés. Oh Seigneur, oh. Je suis foutue, je suis finie. Mes amis vont commencer à se moquer de moi. Tout le monde va commencer à se moquer de moi. Calme-toi. Ne me demande pas de me calmer. Cette fille m'a tuée. Tu m'as tuée. Tue-moi comme ça. Viens manger mon cadavre, oui.
Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, grande sœur. Salut tout le monde, je suis Sosa. Si vous êtes nouveau dans ces blogs, sachez que nous sommes là pour parler de la cuisine interne, donc la cuisine nationale. N'oubliez pas de liker si vous êtes nouveau, inscrivez-vous et partagez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de faire des commentaires, puisque ce sont les commentaires qui me permettent d'évaluer l'émission et savoir comment répondre à vos attentes, à vos besoins, vous apporter des nouveaux. Vous me faites énormément plaisir. Ok, c'est bon. Il est temps maintenant pour nous de commencer le sujet du jour. Vous êtes sur une chaîne sociale spécialisée à la cuisine. Ok, aujourd'hui, je vais vous partager et vous apprendre comment faire les zucchis, les chips de chocolat. Je commence par vous présenter les ingrédients que nous allons utiliser un à un. Après quoi, nous allons commencer avec le processus proprement dit. Il y a un commentaire. Ok, avant de continuer, j'aimerais quand même dire quelque chose. Je sais que la nouvelle de ma grossesse est déjà sur la toile. Et beaucoup d'entre vous sont en train de me poser des questions pour avoir la confirmation de ma grossesse. Oui, je suis enceinte. Est-ce que ton bébé a un père? Bien sûr, mais je ne souhaite pas divulguer son identité. Évidemment, je ne veux pas l'étaler à la toile puisque c'est ma vie privée. Pour le bien de mon bébé et de son père. J'ai appris que tu es tombée enceinte hors mariage. Hors le mariage. Non, n'est-ce pas que mon bébé... Mon bébé... Non. Excusez-moi. Ah, s'il te plaît, je veux que tu me fasses quelque chose à manger maintenant. Désolée, je ne peux pas. Je me sens fatiguée. T'excuser? T'ai-je bien entendu? Donc à cause de cette chose que tu portes dans ton ventre, tu penses avoir une bonne raison pour ne pas travailler dans cette maison? Okay. C'est quoi ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Es-tu sourde, toi fornicateur? Ne sais-tu pas que la fornication est un péché? Non, ce que tu sais faire, c'est ouvrir tes jambes pour un homme qui n'a même pas payé ta dot, hein? Tu ne t'es pas seulement arrêté là-haut, tu as aussi fait que ta famille soit disgracée. Tu n'as pas à me juger. Sœur la parfaite, qui es-tu pour me juger? Tu sais ce qui est drôle avec toi, c'est que c'est tout le jour que tu lis cette Bible, mais tu as difficile à appliquer cette portion des Écritures là où on dit ne jugez point. Pourquoi tu veux me juger? Pourquoi? Qui t'en a donné le droit? C'est quoi tout ceci? Tu crois être meilleur que moi?
Tu penses que tu vas cacher ton amertume dans ce soi-disant amour que tu as pour Christ? Tu crois que nous ne savons pas que tu es malheureuse? C'est aussi clair sur ton visage. C'est vrai ça. Donc ça, c'est la définition d'être malheureuse. Donc parce que je ne suis pas comme toi, je ne me promène pas partout en ouvrant mes jambes ointes pour les hommes qui ne méritent pas. C'est ça la définition d'être malheureuse. C'est ce que tu appelles être malheureuse, ma sœur. Tu viens de dire quoi, tes jambes ointes? Qu'est-ce qui te donne l'impression que tes jambes sont ointes? Qui les a ointes? Si je peux demander qui? Toi? Pardon, va-t'en avec tes jambes ointes. Laisse-moi porter ma croix, ok? Laissez-moi vivre en paix avec ma grossesse. Vous voulez me tuer ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Assez! Je pense que je sais ce que je veux faire. Je vais essayer d'aider maman pour te coincer. Parce que j'ai comme l'impression que tu te sens vraiment à l'aise dans cette maison pour ouvrir ta sale bouche à tout moment. Olani, s'il te plaît, prends ton téléphone. S'il te plaît. Salut tout le monde, je suis de retour. Comme vous savez, notre chaîne est dédiée à la cuisine. Si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, je vous souhaite bienvenue et je vous suggère de vous inscrire sur notre page. Comme ça, je serai en mesure d'être en contact avec vous d'une manière particulière. N'oubliez pas de liker, de commenter et de le partager avec vos proches. Ainsi, vous allez nous joindre dans cette plateforme afin d'apprendre comment faire des nouveaux plats. Ok, d'accord, avant de commencer, on va lire un commentaire. Tes émissions impactent beaucoup de filles, comme moi par exemple. Merci beaucoup. Ces commentaires m'ont encouragé de m'améliorer, puisque mon souci tous les jours, c'est de vous apporter de nouvelles choses. Voilà donc, si tu es ici et que ton rêve est de devenir une cuisinière professionnelle ou un chef, sache que tu es dans la bonne plateforme. Aujourd'hui, nous commençons par les fondamentales de la cuisine, un à un, et puis certainement on le fera de plusieurs manières, ne vous en faites pas, mais... Beaucoup de gens m'ont dit que c'était quand même important de leur montrer comment utiliser certains ustensiles de la cuisine. Oui, c'est une question très importante, puisque quand tu commences à préparer, tu dois savoir qu'est-ce que je dois utiliser pour peler ou apprêter telle chose. Même pour les garnissages sur la table à manger, il faudra le faire avec beaucoup de soin, en donner une bonne couleur, afin de donner de l'appétit aux gens qui attendent cette nourriture. Ta mère m'a vraiment étonnée. Pourquoi a-t-elle dit de telles choses? Ah, c'est vraiment incroyable. Et comment a-t-elle su que tu étais enceinte? On était allés à l'hôpital ensemble. C'est très sérieux. Alors, que vas-tu faire à propos? Qu'est-ce que je veux faire? Rien. Mais tu viens de dire que c'était sérieux.
Oui, vrai. Elle était très sérieuse. Toutefois, elle est ma mère. Elle finira par me pardonner. Je ne vais pas me donner la mort. Ok. Alors, comment tu te sens? Maman! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu me suis comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je sais que je t'ai manqué de respect. Mais déshériter est dur, maman, pour moi comme une punition. Je te promets que je vais amener l'homme en question. S'il te plaît. Mais déshériter, c'est trop dur comme punition. C'est ça? Ok. Cet homme qui t'a rendu enceinte, ne les ramène pas à la maison. Et tu verras comment je vais personnellement t'effacer du testament. T'effacer du testament est si dur comme punition, mais tu as quand même pu tomber enceinte. Si tu ne ramènes pas cet homme à la maison, tu verras. Tu as les culottes de m'appeler pour me raconter de bêtises. Maman, c'est si dur comme punition. Si tu ne ramènes pas cet homme à la maison, je te montrerai ce qui est dur. Allez, dégage, je suis sors de ma vue. Sors de cette maison et va chercher cet homme. Mais déshériter, c'est si dur comme punition. Maman. Ambala. Ambala. Je vais présenter mes excuses pour ce qui s'est passé la dernière fois. Ce n'était pas mes intentions de te manquer de respect ou de t'insulter. Je sais que tu es ma grande sœur. Je voulais te faire savoir que j'en regrette beaucoup. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ouvre ton cœur et pardonne-moi. Est-ce que tu peux croire ce que maman dit? Elle veut me déshériter si je ne mène pas les responsables de ma grossesse à la maison. Comment elle peut vouloir me faire ça? Hein, comment? Où est-ce que je vais en finir? N'est-ce pas que ça va être dur pour moi, grande sœur? Enfin, je sais que tu es sa favorite et qu'elle te préfère à moi. Alors, s'il te plaît, si tu peux parler avec maman en ma faveur, s'il te plaît, supplie-la pour moi. Qu'elle ne me fasse pas ça. Comment je vais survivre? Je n'ai pas de travail. Comment je vais vivre si elle me déshérite? Ce n'est pas juste, tu le sais, vous le savez tous les deux. S'il te plaît, parle avec elle. Qu'elle me réconsidère. Je sais qu'elle t'écoute toujours. Pardon, je te prie. Et Sosa, avant que je ne toque à cette porte, j'étais déjà prête pour ma prière de section. Alors laisse-moi d'abord prier. Amba. Donc, tu t'es décidé de faire des rencontres à l'aveugle? S'il te plaît, tu peux m'aider avec de l'eau?
Désolée. Merci. Merci. Bien sûr. Je vais prouver ma mère, ma sœur et à mon bébé que je ne suis pas du tout un échec. D'ailleurs, maman avait raison. Mon bébé doit avoir un père. Présentement, je comprends d'où ceci sort. Donc, tu veux faire cela juste pour qu'elle ne puisse pas te déshériter? Ça, c'est vrai. S'il te plaît. Cette dame. Non, non, les jus. Du jus? Ok. Es-tu sûre que tu es prête pour ça? Tu connais les hommes, non? Un instant. D'accord. S'il te plaît. Merci. Ok. Où est-ce que je commence? Ok. Je vais t'apprendre à flirter avec un homme pendant le rendez-vous. Comme ça, ils ne se rendront pas compte que tu es enceinte. Intéressant. Je suis prête pour ça. Je le savais. On commence par où? Tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on va attendre? Es-tu la première à tomber enceinte? Ne me fatigue pas. Supporte-moi. Je le fais juste à cause des bébés. Merci. Comprends-moi, s'il te plaît. Ne me fatigue pas. Non. Regarde comment se dessine le ventre. C'est pas bien pour toi. Mais je suis enceinte. Tu ne peux pas porter ça. C'est trop exposé. Tu dois changer cette robe. Non. Ça ne te convient pas. Non. Non. Tu dois changer cette robe. Encore? Oui. Attends. Mais ça. C'est très long. Ouais. Ça, c'est bon. Ah. Heureusement. Mais tu dois aller faire le shopping. Ton ventre commence à devenir remarquable. Tu ne peux pas être enceinte avec de telles tenues. Mais c'est bon. Bien. On va aller faire le shopping. Ok. Bien. On va faire la liette. Ça va quand même? C'est bon. Est-ce que je peux me reposer maintenant? Ok, pas de problème. Désolée, vas-y. Ce qui me convient. C'est ça, c'est dur, ok? Mais tu peux le faire. D'accord, bien. Commençons d'abord par un essai.
Ok. Salut. Je m'appelle Sosa. Enchantée de faire votre connaissance. Vous appelez comment? Ok. Je suis une blogueuse. J'ai une chaîne sociale sur la cuisine. Ouais, c'est Sosa officiel. Et qu'en es-tu de vous? Bien. Mon âge? Ça, c'est ma vie privée. Vous savez que demander de l'âge à une fille n'est pas poli. Hein? Souffrez que je ne puisse pas répondre à votre préoccupation. Mon ventre? Oui, présentement, je suis enceinte. Oui. Bien sûr que oui, les femmes enceintes aussi partent en rencard. Et alors, pourquoi mon cas doit être différent? Oh, le père, s'il était là, je ne serais pas devant toi ici. Je crois que nous en parlerons un autre jour. Vous êtes d'où? Oh. Ah. Sosa, tu vois que c'était aussi facile. Mais si tu crois que tu ne seras pas en mesure de le faire, tu peux le faire un autre jour. Oh, mais tu dois être déterminée. Prête. Aspire. Expire. Tu peux le faire. Bon, l'assistant personnel en question dont je t'avais parlé, je comprends pas vraiment. Je sais pas ce qu'il veut de moi. Je ne sais pas vraiment. Hein? Oh. Chérie. Comment peux-tu me dire qu'à ton âge, tu ne sais pas ce qu'un homme veut de toi? Quoi d'autre voudront-ils si ce n'est pas le mariage? Oh, c'est pas tout le monde qui cherche le mariage. Peut-être qu'il veut l'amitié. Ok. D'accord. Parle-moi de lui. Ok. Regarde-toi. Il est le neveu du pasteur. Oh. Il est très gentil. Il est cool. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu attends? Arrête, maman, mais il doit d'abord demander ma main. C'est l'homme qui doit s'approcher de la femme. Le jeune de cette génération, c'est quoi ça? Il doit d'abord te draguer? Ah! Ma chérie, la chose la plus importante qui doit t'inquiéter maintenant, c'est de savoir si cet homme ne couche pas avec d'autres jolies filles de la chorale. Je sors. À tantôt. C'est étrange. Tu penses qu'elle part où? J'en ai aucune idée. Elle peut se rendre là où elle vit. Elle est libre. Pourvu qu'elle ramène un homme, un père pour son bébé qui est dans le ventre. Donc, ça m'est égal. Ok. Es-tu sérieuse sur ce que tu dis? Bien sûr que je suis sérieuse. Très sérieuse. Mais ça sera une tâche très lourde pour elle. Répète un peu ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que j'ai entendu? Tu as dit quoi? Une tâche difficile pour elle? Prendre soin de vous, jour et nuit. Vous envoyez toutes les dés à l'étranger pour étudier dans des très belles écoles. C'est ça qui est très difficile. Est-ce que je t'entends dire que c'est difficile? Cette petite fille ingrate, comment est-ce qu'elle m'a remerciée? Elle est allée s'offrir à un idiot que je ne connais même pas. Et tu es là en train de me dire que c'est une tâche énorme? Hein? C'est mon argent qui part dans ta bouche. C'est parce que je t'ai envoyé dans de très belles écoles. Voilà pourquoi tu articules bien en disant que c'est une tâche très difficile. Écoute-moi très bien. Maman, calme-toi.
Ne me demande pas de me calmer. Tu as intérêt à ne pas emboîter les pas de ta sœur. M'as-tu entendu? Si tu oses, et tu es là en train de me dire que c'est un devoir difficile. Maman, tu ne trouves pas que c'est très difficile? Difficile, mon œil. Bonjour, madame. S'il vous plaît, madame, y a-t-il quelque chose que vous voulez commander? Non. Ok, au cas où vous changez vos idées, appelez un serveur et il viendra. Ok? Ok. Salut, demoiselle. Mon nom est Anayo Onikori. Tu dois être Esosa? Oui, c'est bien moi. Contente de vous rencontrer. Tu es franchement très belle. Waouh, ça doit être mon jour de chance. Merci. Vraiment, franchement. Vous non plus, vous n'êtes pas si mal que ça. Tu es cette femme cachée que j'ai tant cherchée durant toute ma vie. Déjà? Attends une minute. Es-tu enceinte? Je crois que ça ne va pas vous déranger. Bien sûr que non. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je sais que tu m'aimes tant. Je sais que tu as toujours des bons projets pour moi. Tu sais que je suis impuissant. Et tu m'as donné une femme enceinte pour épouse. Merci Jésus. Ceci demande une célébration. Vraiment? Bien sûr que oui, ma chère. Serveur? Elle va avoir un bébé et nous allons bientôt nous marier. Alors je veux que tu nous trouves quelque chose pour célébrer. Ok. Félicitations, monsieur. Merci beaucoup. Ok. Je suis impatient. Waouh! Tu n'es pas encore mariée, j'espère. Parce qu'à te voir, il y a beau. Pourquoi ton ventre est si gros comme ça? Il n'y aurait pas un kyste là-dedans? Bien, si c'est un kyste, je n'ai pas d'argent pour une urgente intervention. Ferme-la! Comment oses-tu qualifier mon enfant de kyste? Es-tu fou? Qui t'a dit que j'ai besoin de ton argent? Et tu es enceinte? Oui! Et tu te rends un rencard? Est-ce un crime? Bien. Ce n'est pas un crime. Mais si par hasard je veux qu'on s'amuse, ne vais-je pas cogner les bébés sur le visage? Il va te cogner sur ses fronts qui est comme un moteur de véhicule. Tu m'as entendu? Est-ce que tu vas bien? Tu es normal? Oh! Tu crois que je suis stupide pour que tu me tournes en bourrique? Tu crois que je suis désespérée? Évite-moi, n'ose plus jamais t'approcher de moi. Jabba, ose encore m'approcher un jour. Peu importe où tu me verras, reste loin. Idiot, je ne te blâme pas. C'est parce que j'ai répondu au rendez-vous que tu veux jouer de moi. Voilà, tu t'en vas déjà? Salut. 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 Ma sœur est une grande fan de Die Hard. C'est vrai? Oui. Intéressant, j'aimerais la voir. Et elle va vraiment adorer te voir aussi. Wow. Ok, bon, allons aux affaires maintenant. Je sais que tu es enceinte. Mais ne t'inquiète pas. Je suis prêt à jouer le jeu comme étant le père de cet enfant. Comme le père de l'enfant? Exact.
On peut apparaître au public, on peut aller faire des photoshootings si tu veux. Juste pour convaincre l'audience et tout le monde que je suis le père du bébé. Mais tu dois me payer un montant de 600 000 naira. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je te comprends très bien. Je peux ramener le prix même à 450 000 naira. Oui. Tu sais quoi? Va-t'en. Quoi? J'ai dit que tu disparais de ma présence maintenant. Je te comprends. Va-t'en. Mais je ne fais qu'essayer de t'aider, moi. Va! On se calme. Des sottises. J'ai dit que tu disparais. Je suis désolé, madame. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Et je suis d'accord que vous avez crié. Oui, vous avez crié. Mais je suis désolé. Mais la seule chose que j'ai vue, c'est... madame, vous avez oublié. Allô, c'est qui? Oh, Ben. Oui, c'est à moi. Fais-moi une faveur de le garder. Je vais revenir demain pour le récupérer. Ok, merci beaucoup. J'apprécie. Aller dans tous ces rencarts était la plus mauvaise idée. Très mauvaise. La plus laide et compliquée. Je t'ai dit. Ouais. Les gens sont devenus tellement désespérés. Je t'ai dit. Oh. Je sais que tes rencarts n'ont pas été terribles. Mais vas-tu abandonner juste comme ça? T'as pas entendu ce que je dis? C'était une mauvaise idée au départ. Ça m'a donné l'image d'une femme sainte, seule et incapable de se prendre en charge. Ah, je n'en peux pas. Alors, que vas-tu faire à propos du testament? Ta mère veut te déshériter. Ah. Oh non, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu me proposes? Quant à moi, je ne la laisserai pas m'effacer du testament. Trouve-toi quelqu'un, non? Quelqu'un qui te fera sourire. Tu sais que ton blog à lui seul ne suffit pas. J'espère que tu le sais. Que je ramasse n'importe qui. Ah bah, non, mon bébé mérite le meilleur. Il te fera sourire. Veux-tu qu'elle t'enlève du testament et t'es déshonorée? Elle parle juste, je ne crois pas qu'elle sera en mesure de le faire. Où est-ce que je ne suis pas allée en recherche de cet homme? Je suis allée dans tous les rencarts. Je n'ai pas trouvé celui qui me convient. Tu vas trouver. Où est-ce que je veux les trouver? Tu vas trouver un mari. Ok. J'en ai marre. Allô, bienvenue à tous ceux qui rejoignent notre chaîne de cuisine. Vous êtes sur SOSA Officiel Cuisine. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai regardé les statistiques. Nous avons atteint un niveau plus élevé de vues. Tout ceci grâce à nos nouveaux abonnés. Si vous venez juste de nous joindre, n'oubliez pas de souscrire en bas de notre page. Je vous encourage de rejoindre cette grande famille pour qu'ensemble nous puissions relever ces défis. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire les légumes. Et vous savez comment j'aime toujours vous mettre à la page. Alors, tenez-vous prêts.
C'est comment pour le devoir qu'on t'a déjà donné? As-tu trouvé le père de ton enfant? C'était quoi tout ceci? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu as fait ça? Tu veux informer à tout le monde de mes problèmes? C'est quoi ça? Tu te comportes bizarrement. Tu veux que les gens se moquent de moi ou quoi? Désolée, je me sens aussi concernée. J'avais appris de cette nouvelle, voilà pourquoi j'ai posé la question. Tu n'es pas désolée. Je sais que tu fais semblant, tu te moques de moi et je ne veux pas de ça. Ok? Désolée pour toi-même, excuse-moi, je suis occupée. Tu vois bien que je suis occupée et tu entres avec tes dérangements. Faut pas venir me déranger quand je fais mon travail. Désolée pour le désagrément. Est-ce que tu peux arrêter ça? Salut. Salut. Ah, votre trousse. Merci. Bon. Essayez d'être prudente prochainement. Merci, j'ai beaucoup apprécié. Je vous en prie. Permettez. Avec ce que j'ai pu voir sur votre carte, vous êtes une chef. Oui, c'est ça. Oui, une blogueuse culinaire aussi. Et alors, j'ai déjà une fois participé dans une de vos sessions et vous animez très bien. Tu sais quoi, un instant. Attends, je... Non, ne vous en faites pas. Je vais passer. Oui, je vais passer. En fait, j'ai vu plusieurs personnes qui demandent que vous puissiez présenter quelques plats africains. Et je suis donc capable de présenter dans une de vos sessions des recettes traditionnelles et africaines qui aideront vos participants à mieux vous suivre. Ok, intéressant, mais pour l'instant, je ne suis pas disponible pour ça. Pourriez-vous, s'il vous plaît, accepter ma proposition ou ma demande? Je ne serai pas t'embaucher puisque je n'ai pas d'argent pour te payer. Oh, non. Écoutez, j'ai juste besoin d'un espace ou quelque chose comme ça pour améliorer mon talent. Bien. Mais pourquoi pas le faire par appel vidéo? Oh oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Je serai très content. Je m'en vais. Bonne journée. Au revoir. Merci. J'arrive. Qui es-tu? Bonjour. Je m'appelle Chidugwe Abara. Je suis venu voir ma patronne, Asosa. Oh, tu es là? Oui. Très bien. Oui. Tu es venu à l'air. Entre. Ok, merci. Suis-moi. Allô, nous sommes encore là aujourd'hui pour vous. Alors, si vous venez juste de nous joindre, n'oubliez pas de vous inscrire, aimer, partager comme vous le faites. Voilà. Vous savez comment je tiens à vous tous, mes abonnés, comment je vous considère. Alors, j'ai une très bonne nouvelle. Sachez que vos commentaires sont pris en considération puisque j'ai toujours voulu vous donner le meilleur de moi. Aujourd'hui, nous recevons un de vous qui est aussi passionné de la cuisine. Oh là là, je vois comment vous êtes nombreux à nous suivre. Notre invité est venu avec sa spécialité. Puisque j'ai beaucoup de considération pour vous, mes abonnés, alors nous lui avons donné l'espace pour qu'il nous partage sa spécificité. Les voici sur vos écrans. Il va nous montrer comment faire un mets local que vous allez beaucoup apprécier. Est-ce que tu peux t'introduire? Ok. Bonjour tout le monde. Mon nom est Chidugwe Abara. Oui. Alors, je serai avec vous. Bon, juste comme notre bien-aimé Asosa l'a dit, je vais donc vous apprendre comment faire des plats traditionnels
qui vont vous faire oublier des plats de vos mères. Oui, et aujourd'hui nous allons apprendre un plat, oufé oha. Ça veut dire la soupe oha. Alors, ce plat est une particularité consommée à l'est du Nigeria. Et ça, ce sont des légumes. Hé! Hey! Regarde! As-tu vu ta sœur? Hein? Ils ont l'air d'être des amis. S'il te plaît, maman, n'exagère pas, hein? Qu'est-ce que j'exagère? Comment ça j'exagère? S'il te plaît, ce garçon a l'air bien. Et il me plaît. Il n'est pas question d'être bien. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit en lui, maman? S'il te plaît, Vierge Marie, ne me demande surtout pas s'il a le Saint-Esprit en lui. Je t'en prie, n'invite pas ton Saint-Esprit dans cette affaire. Tout ce que je fais pour ta soeur, c'est un homme. Et parle-moi des histoires du Saint-Esprit. Qu'il ait le Saint-Esprit ou je ne sais quel esprit, ça m'est complètement égal. Ah oui, les amis. Pendant que notre repas est en train de bouillir, nous allons maintenant ajouter Kanda, aussi appelé pomo. C'est déjà lavé et très bien lavé. N'oubliez pas surtout de laver vos viandes à cause de bactéries et certains microbes qui peuvent les atteindre. Alors, je vais les ajouter à la viande. C'est déjà lavé. Je l'ai très bien lavé avec de l'eau chaude. Voilà pourquoi je l'ai ajouté. Alors, la prochaine étape, je vais devoir préparer déjà mes feuilles pour... aidez-moi avec un bassin, s'il vous plaît. Tu m'as beaucoup impressionné. Es-tu sûr que c'est ta première fois? Non, même pas, non. Néanmoins, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est avoir une opportunité pour démontrer mon talent. Est-ce que tu sais que tu peux gérer tout un restaurant, seul? Oui, bien sûr, c'est possible. Mais ce que j'ai toujours voulu, c'est que quelqu'un m'aide à le faire. Bien, ok. Oui. Eh bien, est-ce qu'on peut le faire encore un autre jour? Bien sûr. Tu sais que je suis toujours là pour tes services. Je crois qu'ensemble, on fera mieux. Bien, c'était très amusant. Oui, c'est ça. Intéressant. Ouais. Où est-ce que tu te vois dans les 5 années qui viennent? Ah. Toujours comme tous les grands chefs, je veux construire mon propre restaurant, mais aussi créer quelques grandes ressources de revenus et aider aussi même ceux qui manquent de quoi manger, même avec des petits trucs comme ça. Ah, c'était un grand rêve. Oui, vraiment. J'ai prié que Dieu t'aide à les réaliser. Amen. Dis-moi, comment tu as commencé? Au début de ma carrière, j'ai travaillé comme chef cuisinier dans un restaurant, quelque chose comme ça. Mais j'avais déjà commencé avant ça, depuis l'école, à travailler dans un restaurant, tu vois. N'est-ce pas, j'ai une très grande expérience dans le métier de la cuisine. Oui. C'est passionnant. J'avais apprécié les uns et les autres, je les avais carrément détestés. Je peux me souvenir de cette histoire et c'est très clair dans ma tête.
Oui. C'était juste... très cool. Tu y arriveras. Ouais. Je le crois bien. Tu viens d'arriver? Oui, et avec cet embouteillage, ça peut te rendre fou. S'il te plaît, la prochaine fois, faut te pointer à l'heure. Ce n'est pas du tout professionnel. Oui, chef. J'ai entendu. Défine quoi? Quoi? Notre dernière vidéo a déjà fait 2 millions de vues. Ah bon? T'es sérieuse? Waouh, inadmissible. Qui aurait cru qu'ici, plat local pouvait attirer l'attention d'un plus grand nombre d'abonnés? Waouh, ma chaîne est en train d'être propulsée. Waouh, c'est très bien ça. C'est une très bonne chose. Tudé? Oui. Merci de faire partie de cette chaîne qui ne fait que s'étendre. Merci, je vous en prie. Et c'est d'ailleurs vous qui avez fait tout ça. Non, la joie doit être partagée. Je n'ai pas travaillé seule. Oh, maman. Oui. Tu vas bien? Tu fais ça? As-tu pris le dîner? Oui, il y a cela quelques minutes. Est-ce que ça va? Ça va. Ok. Je peux voir que toi et ton soi-disant collègue vous entendez bien. Maman, il est juste un collègue. Je peux le voir. C'est juste un collègue. Oui, je l'aime bien. Il est beau et attirant. Il est pas mal. Et j'ai aussi l'impression qu'il sera un bon mari et le père de ton enfant. Maman, c'est comme je viens de le dire. Il est juste un collègue. Oui. D'ailleurs, je n'ai encore aucun sentiment pour lui. Je sais. Oh, jusqu'à présent. J'aime ça, jusqu'à présent. La projection, c'est bien. Tout simplement parce que j'aime ce que je vois. Comment ça? Je peux voir l'amour dans les yeux de ces garçons. Comment tu peux dire ça? Comment je peux en être sûre? Comme si j'avais le même âge que toi. As-tu oublié que j'étais ta mère? Je suis une vieille oiseau, donc je sais. Mais qu'est-ce que j'entends? Entendre quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Ok. Maman, s'il te plaît. Donc, je suis maintenant ton amie? C'est ça? Je suis ton amie maintenant? Écoute. Ces garçons, si tu les regardes bien, tu sauras ses intentions. Juste en les regardant? Oui, juste en les regardant. Je t'ai mise au monde, donc je sais. Oh! Tes fans sont très intéressants. Ignore-les. Non. Même pas. Oh. Oh. Ok. Les amis d'Abuja demandent si c'est moi le père de ton enfant. Ok, les amis. On va d'abord prendre une petite pause, ok? Oh. En fait... je ne voulais pas demander avant, mais où est le père de ton bébé? Le père de mon bébé? Le bébé de mon père? Il a porté disparu. Non, il est mort. Oui, il est mort d'un cancer des fibromes. Non, d'estomac. Il y a 6 mois passés. Oui, il est mort du cancer d'estomac il y a 6 mois. C'est triste. Très triste.
C'est tragique. Certainement, tu te sens très seule. Voilà pourquoi tu passais du temps au restaurant. Oui, seule. La solitude. C'est ça exactement qui m'a poussée à faire ça, oui. Oui. Tu parais être réveillée. Comment tu as su? Tu sais, je me sentais tellement seule au point que j'ai commencé à courir derrière les hommes en guise de compagnie. Tu vois? Donc, c'est ce qui s'est passé exactement. Qu'en est-il de toi? Raconte-moi ton histoire. Mon histoire? Qu'est-ce que tu veux dire? L'histoire de ta relation amoureuse. Bon, au fait... il n'y a pas assez de grandes histoires, ce qui concerne ma relation amoureuse. Mais j'ai... J'ai connu une seule relation. Oui, juste une seule relation. Et voilà, elle a vraiment brisé mon cœur en plusieurs morceaux et... Voilà. Alors, comment ça a été? Ah, ça, je ne savais exactement pas quoi faire, tu vois. En fait, elle est partie et j'ai juste avancé. Et je me suis dit que je ne devrais pas beaucoup réfléchir à mon passé, tu vois. Je suis resté focus. Ah, je vois. Ok. Comment va le bébé? Je me sens mieux.
Chudé. Oui. Merci. Merci pour ta présence dans ma vie. Non, je... je t'aime. Je t'aime beaucoup. Et aussi, merci de m'avoir accepté dans ta vie. Car c'est ici ma meilleure place. Je t'aime aussi. Nous avons passé une bonne nuit. Nous avons eu des tchika tchika bonbons. Tu vois ici, les abonnés ont hâte de nous revoir en ligne. Et beaucoup de nos abonnés qui nous demandent de reprendre le dernier plat local. Ok, mais alors, qu'est-ce que nous espérons avoir exactement? Nous? Oui, nous. Nous allons le vérifier ensemble. Ça sera une surprise. Ah. Bon, en fait, tout ça c'est vraiment, tu sais, je comprends ce que tu traverses, ok? Et je peux te promettre que je serai avec toi, quoi qu'il arrive, ok? Ton bébé et aussi mon bébé, ok? Merci. Merci d'être venu dans ma vie. Ta lumière a fait dissiper toutes mes ténèbres. Je te dis merci pour ça. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Donc, ma belle, tout ceci s'est passé à mon insu, c'est ça? Regarde comment tu brilles. Oh, s'il te plaît, laisse-moi respirer. N'est-ce pas que tu n'étais pas ici? Qu'est-ce que si j'avais quitté la ville? Tu ne pouvais même pas m'appeler? Les gens qui ont fabriqué le téléphone ne savaient pas ce qu'ils faisaient, c'est ça? Ah, oh, Dieu. Donc, tu aimes ça plus que la nourriture? Salut, bébé. Je dois partir maintenant, ok? Ok. Sois sage. D'accord. Ouais, d'accord. Bye. Ha! Tu as un problème avec tes yeux? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas qu'il est mignon? Il est. Il est très mignon. Regarde un peu comment il est. Ah. Il est craquant. C'est pour ça que tu rayonnes. Tu brilles, tu rayonnes. Il prend bien soin de toi. Hé, hey, tes apaisements! Oh, c'est quoi? Tu vas me prêter ces garçons. Hein? Prête-moi ces garçons, s'il te plaît. Tu commences à lui perdre? S'il te plaît, pardon, pardon. Arrête-toi là. Je n'ai même pas besoin de l'entendre. Je ne blague pas. Bien sûr que oui. C'est pour ça que tu es toute belle. Oh, j'ai de la chance. J'espère que ta mère est maintenant calme. Ah, j'espère bien aussi. Espérons. Ma belle, je suis très contente pour toi. Il est très mignon. Finalement, regardez mon ami, papa il brille. Nous y sommes arrivés. Oui, nous avons maintenant le visage du oui, père. C'est ça. Dieu, je t'en prie, donne-moi mon homme. Amen. Ton homme arrive. T'inquiète. Oui, il arrive bientôt. Oh.
en bas? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Tu sais que tu peux m'en parler. Ça fait à présent des jours. J'ai remarqué que tu as changé. Tu es devenue une personne différente. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? Maman, je ne sais pas ce que je peux faire. Je me sens toute seule. J'ai besoin aussi d'être accompagnée. Je comprends. Crois-moi, je te comprends. Ok? Mais mon petit conseil serait que tu ailles voir l'ami ton pasteur. Oui? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Va voir l'ami ton pasteur. Sois très gentil avec lui et ouvre-toi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi fais-tu cette réaction? Va voir cet homme et on ne sait jamais. Il pourrait être l'homme que tu cherches. D'accord. Alors que veux-tu que je dise? En bas, écoute ce que je te dis, je suis ta mère. Je sais de quoi je parle. Va le voir. Es-tu sûre? Ah, j'en suis sûre, mais je suis ta mère. Écoute, crois-moi. Juste va chez lui. Je lui dirai tout au bon moment. Ok? D'accord? Alors pourquoi tu fais toujours cette tête? Je suis sincèrement désolée. Je n'ai jamais été une bonne sœur pour toi. J'aimerais que tu saches que... Chut, Amba, ça va. Tu es ma sœur. Mon sang, je ne peux pas garder une dent contre toi. D'ailleurs, je t'ai pardonné il y a très longtemps. C'est une bonne chose. Merci énormément. De rien. J'ai envie de ta relation avec ton ami. C'est vraiment très clair. Merci. Sais-tu ce que ça fait à une femme d'approcher un homme? Vraiment? Désolée. Tu me les demandes comme si j'étais une expérimentée de l'ancienne école. Non, ce n'est pas vraiment ça. S'il te plaît, arrête. Désolée. D'abord, hein. Ok, il y a un pasteur dans mon église que je côtoie il y a quelque temps maintenant. Il ne m'a pas encore dit son intention. Je suis impatiente parce que je l'aime tellement. J'ai envie de les lui avouer, mais je ne sais même pas comment est-ce qu'il va me prendre. Waouh. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Il n'y a rien de honte pour une femme d'approcher un homme pour l'aborder dans le sens d'une relation amoureuse. Au lieu de mourir en silence, je sais que ça n'a pas toujours été intéressant qu'une femme puisse initier cette démarche. Mais quoi faire quand il n'arrive pas à comprendre que tu as des sentiments pour lui? Pendant que tu sais au fond de toi que c'est lui, l'homme qui te convient, si c'est l'homme de ton rêve, ne penses-tu pas qu'il serait important de prendre les devants et de risquer? Je te conseille de faire le premier pas. Qui n'ose rien n'a rien, tu sais. Même s'il dit non, ça ne sera pas non plus la fin du monde. À mon avis, il n'y a rien de mal dans ça. D'ailleurs, les hommes trouvent intéressant les femmes qui se démarquent des autres. Crois-moi. Comment est-ce que tu connais toutes ces choses? Tu vois? Tu vois, hein?
Ok, je t'ai écouté. Ça veut dire que tu vas le faire. Ah bon? T'inquiète. Je le ferai alors. Je vais t'entretenir moi-même. De rien. Honnêtement, j'étais d'abord un peu surpris quand tu m'as parlé du rencard. Oui, parce que pour moi, c'était comme le premier. J'ai pensé que c'était pas une bonne chose de ta part, le fait que je sois la première. C'est ma première fois. Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, j'aurais apprécié que quiconque prenne l'initiative. C'est vrai. Oui, en fait, ça rend ces personnes spéciales. Merci. Merci. Tu sais, je t'apprécie vraiment. Oui. Je t'ai observé pendant un bon moment et honnêtement, je t'apprécie beaucoup. J'aimerais aussi l'envie de parler avec toi. À chaque fois que je voulais te parler, je veux dire, j'ai des pieds froids. Mais pourquoi? Est-ce que j'ai fait peur? Non, ça n'a vraiment rien à voir avec toi. Oui, tu sais, être un pasteur, il faut faire attention à beaucoup de choses autour de toi, hein. Comme, il ne faut pas parler aux femmes, il ne faut pas parler aux sœurs, hein. Même, tu sais seulement découvrir l'appétit, mais tu as faim. Mais je suis content du déplacement que tu as fait, en fait. J'ai très bien compris ce que tu dis. Merci. Excuse-moi, s'il te plaît. Je vais aller aux toilettes, s'il te plaît. Je ferai okay. Vite. Je suis ici. Je ne prendrai pas longtemps. Merci. Je l'ai laissée ici, mais où est-elle? Ah. Mais comment elle peut partir comme ça?
Je ne comprends rien. Ça va? Ah. Allez, Amba. Tu ne dois pas rester triste juste pour ça. Et alors, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait s'il a une ex-femme? Peut-être que... Je suppose qu'ils ne sont pas arrivés à faire route ensemble, peut-être à cause de leur différence. Pourquoi moi, Issosa? Pourquoi moi? C'est seulement lui que j'aime de tout mon cœur. Ah, devait-il faire ça? Et comme il est au courant, cette nouvelle va se répandre partout. Que le chef de chantre est en train de suivre un homme marié. Je ne peux pas accepter cela. Tu ne dois pas te faire ça quand même. Tu fais des jugements sur toi-même pendant que personne ne l'a encore fait. Mais si ton va arriver, les langues sont faites pour parler. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment couvrir cela. Dans ce cas, laisse-le parler. Laisse-le parler. Ce qui compte le plus, c'est que tu sois heureuse. Ok? Ok. Ça va aller, d'accord? Je suis vraiment désolé, Amba. Je le suis honnêtement. Gertrude était ma femme. Je l'ai épousée à 2 ans, seulement parce que je voulais faire plaisir à ma mère. Ah. Quelques mois dans le mariage, j'ai découvert qu'elle avait une matrice perforée. Elle ne pourra jamais, jamais avoir des enfants. J'étais totalement dévasté. Pas seulement ça. Elle voyait d'autres hommes. Je veux dire, et quelle est l'importance d'épouser une femme qui est vraiment arrogante, qui ne peut pas te donner des enfants? Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est vraiment impénitente. J'ai découvert qu'on ne pouvait pas marcher ensemble. Alors, j'ai demandé le divorce. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas quoi dire. Je peux comprendre, Amba, s'il te plaît. J'aime ce que nous avons en ce moment. Ceci est le meilleur moment de ma vie. Je ne peux pas les laisser glisser de mes mains. S'il te plaît. Tu m'amènes beaucoup de joie et de bonheur. Oui. Je t'aime. Bon, et si je passais te voir ce week-end? Et de là, nous pourrons aller quelque part. Okay. Tu as hâte que nous nous voyions encore, n'est-ce pas? D'accord. Alors je t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime vraiment beaucoup. Oh, tu as l'air très ravissante. Oh, arrête ça. Je suis très contente pour toi. Merci. Je suis sûre que tout marche comme sur les roulettes. Honnêtement, je suis impatiente et lui de même, il a vraiment envie de vous rencontrer.
Voilà, je suis venu pour te présenter ce que je veux préparer pour toi. Car c'est ton jour. Oh, merci énormément, Dudé. Merci. Ouais, je t'en prie. Alors les gars, pourquoi vous ne partez pas comme ça? Je vais rester avec la fiancée. D'accord. Alors, raconte. Est-ce que tu as causé avec lui? Déjà. Allez, relaxe-toi aussi, réponds-moi calmement. Je veux dire, je suis encore mécontente du fait qu'il n'est pas encore arrivé. Et toi, tu me parles. Oh. Écoute, tu n'as pas à être nerveuse. Détends-toi. Tout ira bien. Ça va. Maman, bienvenue. Merci, ma chérie. Bienvenue, maman. Je suis très fatiguée. Alors, où est ta sœur? Oh, mon Dieu. Mais de quoi est-ce que vous étiez en train de parler? Elle panique? Et pourquoi tu paniques? Ma fille, arrête de paniquer, ça va aller. Alors, qu'en est-il de l'ami de ton pasteur? Il sera ici d'un moment à l'autre. Alors, pourquoi paniques-tu? Va ouvrir la porte. Voyez-moi cette fille. Donc, c'est ce qu'elle faisait depuis tout ce temps. Oui, c'est ce qu'elle faisait depuis. T'es sérieuse? Hein? Oui. Bonsoir. Elle se dérange. Bienvenue pour rien. Chez nous. Oh, je vais très bien. Viens, je vais te présenter. Waouh! Ah. Maman, c'est Pasteur Lai. Pasteur, oh. C'est ma mère. Pasteur. Tout le plaisir est pour moi. Tu es le bienvenu chez moi. Prends toi? Place. Tu les connais? C'est quoi le problème? Quoi? Les gars dont tu m'avais parlé? Attendez, qu'est-ce qui ne va pas ici? Mon amour, qu'est-ce hein? qu'il a dit? Est-ce que tu vas bien? Oui, il semble que tu traverses beaucoup de choses. Comment tu le sais? Bien, je sais parce que je traverse beaucoup de choses aussi. Et comme tu peux bien voir... La femme que j'ai épousée, ma propre femme, ne peut pas avoir des enfants. Parce qu'elle a déjà perdu sa matrice. Tout ce que je voulais, c'était d'avoir des enfants qui vont m'appeler papa. J'aimerais voir ma princesse tournant partout dans la maison, disant « Papa !» Et je dirais « Allez, viens ici, mon ange. » Tu vois. Mon petit ami m'a largué. Tu sais ce qui est plus drôle dans ça et que... C'est ma mère qui m'avait mis en contact avec lui. Et même pilote, c'est la seule bonne chose qui me soit arrivée. Oh, donc c'est un pilote. Un pilote. Je pense que nous traversons les mêmes choses ici. Et le pilote a pris une... autre croisière. Vous, partout dans le monde. Et c'est le crash qui s'ensuit. Voilà.
Daddy. Cathy, peux-tu imaginer? Pas de matrice. Sans matrice. Pas de matrice. Elle n'en a pas. Laisse-moi finir pour toi. Oui. Oui. Ah, les pilotes s'envolent. Je vais ajouter un verre. Ah. Ouh. Pas de matrice. Pas de matrice. Ah. Je vais prendre ce dernier pour moi. Pour moi, pour moi, pour toi. Moi, je peux te disposer une matrice pour faire les enfants. Pas de pilote, pas de matrice. Pas de pilote, pas de matrice. Non. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ça peut pas être vrai. C'est vrai. Hey, Eliston, attendez. Quoi? Et c'est ça. Comment est-ce que tu peux me faire ça? Ah bah crois-moi, je n'en savais rien. Donc après avoir cherché un homme qui va prendre soin de toi, tu vas trouver Judy, qui était censée être avec moi, la seule joie que j'ai trouvée dans ma vie. Tu décides de me le retirer. Non, Amba, arrête d'être irréaliste. Ça s'est produit de moi avant que vous ne puissiez vous connaître. Exactement, je ne savais pas. Bon, tu as juste voulu sortir avec moi parce que tu voulais un père pour ton bébé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Rappelle-toi, notre rencontre n'avait pas de telle motivation. Je suis avec toi puisque je t'aime. Crois-moi, s'il te plaît. Tu m'as dit, le père de ton bébé est mort du cancer de l'estomac. Tu dis, s'il te plaît. Au revoir. Tu dis, ne me laisse pas. Tout ceci est de ta faute. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que tout ça était arrivé. Je t'ai cherché partout. Arrête, menteur. Écoute-moi, crois-moi. Ça, c'est le passé. Crois-moi, s'il te plaît. Excuse-moi, c'est le passé. Excuse. En tout cas, je fais un effort de me contrôler. Va-t'en. Ne m'énerve pas. Quitte ma maison. Écoute, ne... Ah, d'accord. Sors de ma maison. Sors d'ici. Hey, allez, mets-toi. C'est fini. C'est fini, ma chérie, ok? Maman! Tu vas bien? Tu demandes si je veux bien? C'est vraiment la question que tu me poses. Est-ce que je veux bien? Ne sais-tu pas que tout ceci est de ta faute? Hein? Toi! Mère, tu m'as rendue désespérée à trouver un homme qui va prendre en charge mon enfant. Qui peut donner sa fille enceinte à un homme qui n'est pas responsable de sa grossesse? Tu me l'as imposé comme condition pour que j'ajuste mon héritage. Tu n'as cessé de me dire que tu dois trouver un homme qui est aussi mignon, comme si c'était une réalisation ultime de la vie. On dirait que c'était un trophée à remporter. Tu nous as induit en erreur. C'est de ta faute. C'est de ta faute que nous sommes arrivés jusqu'ici. Tu dois la blâmer. C'est à cause d'elle. Écoute-moi très bien. Tu ne dois plus jamais, plus jamais me parler sur ces tons. Parce que je reste toujours ta mère. M'as-tu entendu? Plus jamais. Et j'ai pas du tout à te présenter des excuses à propos.
la mort de votre père. Je me suis débrouillée pour prendre soin de vous, toutes deux. Et cela, toutes seules. Et j'ai dû beaucoup me sacrifier. J'ai été humiliée. Les gens se moquaient de moi. Je vous ai élevée seule, sans recevoir de l'aide venant de qui que ce soit et d'où que ce soit. Et en tant que mère, je n'avais jamais voulu que l'une de mes filles puisse connaître la même histoire que moi. Alors, si cela fait de moi une mauvaise mère, qu'il soit ainsi. Mais n'essaye plus jamais d'hausser les tons sur moi. M'as-tu entendu? Bien. Qu'est-ce que tu as tiré comme profit dans cette affaire? Qu'est-ce que tu as gagné? Je me perds, je suis soi-disant père de l'enfant. N'essaie pas de m'énerver. Je risque de te frapper. Jusqu'à ce que tu trouves un père pour ton enfant. Assez! Tu continues à lever les dents sur moi? Hein? D'où te vient cette habitude? D'où est-ce que tu as pris ça? C'est depuis quand? Je suis désolée, maman. Désolée. Pardonne-moi. Désolée. Pardon. Oh, non, ne t'agenouille pas. Lève-toi. Maman, lève-toi. Pardonne-moi. Aide-la à s'asseoir. Qu'elle se mette. Oui. Je suis désolée. Détonnez son pas. C'est bon, allez, ne t'agenouille pas. Ça suffit. Viens, approche. Allez, viens, approche. Mets-toi. Mets-toi ici. Pardonne-moi. Ça suffit. Pardonne-moi. Ça suffit. Allez, arrête. Je ne savais rien. Regarde-moi. Que tu sais, si. Regarde-moi. Ça suffit. Arrête de pleurer, ok? Après tout, il t'a retrouvé. Ok? On finira par s'en sortir, t'inquiète. Relax, allez. Arrête de pleurer. Arrête maman. De pleurer, c'est bon. Elle va arrêter. Elle va arrêter de pleurer. Je maman, sais. Je sais que tu ne savais pas. En bas, ta sœur est en train de pleurer. Et tu sais, je t'en prie, arrête de pleurer. Écoutez, moi aussi, je vais me joindre à vous et commencer à pleurer. Voulez-vous que je pleure? Ça va, je comprends. Allez, arrête.
Je suis vraiment désolé. Je te fais du mal, je sais. Mais honnêtement, je ne savais vraiment pas que tout ça s'était passé. Amba, s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur et pardonne-moi. En fait, j'aimerais bien voir ta sœur aussi. Si cela ne te dérange pas. Je comprends. Je sais qu'on ne s'était pas encore connus lorsque ceci était arrivé. Mais je ne sais pas aussi qui tu es. Alors, je ne sais même pas quoi faire. Je te pardonne. Ok? D'accord. Peu importe notre relation, nous devons mettre fin à cela. C'est ce qu'on doit faire. Je ne sais pas si tu vas attendre ma soeur ou tu vas rentrer à la maison. Parce que moi, j'entre maintenant. Salut. Tu dis, est-ce que nous pouvons parler un peu? Je ne vois rien de quoi on peut parler, ok? Et en plus, ça c'est mon milieu de travail. Il faut me laisser un peu être concentré. Tu dis, s'il te plaît. Mal. Allez, c'est bon. Je t'emmène à l'hôpital. Oui, encore un peu de corps. On avance. Avance, oui. Salut. Comment ça va? Je vais bien. Et comment le bébé? Oui, je vais bien après. Il y a des jours passés, mais je les ai quand même. D'accord. Tudé. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je n'avais aucune intention de te mentir ou de te tromper. Je suis vraiment désolée. Tu t'es souciée de moi? Bien sûr que oui. Tu m'as beaucoup préoccupée. Bon, d'accord. Ce n'est pas un problème.
parce que je t'aime. Et voilà, j'aimerais bien être le père de ton bébé. En fait, notre bébé. Je ne suis pas venu ici pour créer un problème. Je suis venu m'excuser pour ce que je fais. Mais aussi pour voir le bébé. Écoute, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que les actions que je faites t'ont causé autant de peine, je ne savais pas. Ce n'était vraiment pas moi. Je veux dire, c'était juste une seule nuit et voilà où nous sommes. Désolé, vraiment désolé. Je me suis excusé à ta sœur et aussi à ta maman. Je ne sais pas si c'est bon pour toi. J'aimerais faire partie de la vie de bébé aussi. C'est pas moi de prendre une décision. Au contraire, c'est à elle. Bien. Je ne peux pas refuser cela, mon bébé. Non. Tout dépend de Tchoudé. S'il est d'accord, alors ça va. D'accord. Oui, voilà. C'est donc ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.